Salut, salut. Alors, je vais te faire le bilan de ma troisième semaine de Curbross. Cette semaine a eu beaucoup de chamboulements. Beaucoup de chamboulements physiques, psychologiques, émotionnels. Voilà. Donc, alors, déjà dans un premier temps, je disais dans le bilan de la semaine 2 que ce qui était vraiment très très prononcé, c'est que je trouvais que j'avais vraiment une mauvaise haleine, ce qui était un bon signe de détoxification du corps. Et cette semaine 3, donc mon haleine était meilleure, donc c'est super, ça veut dire qu'on a détoxifié pas mal de choses et que ça revenait à peu près à la normale. Ensuite, j'ai eu l'occasion, il y avait encore une semaine avec plein de jeûneurs qui étaient là pour un jeûne d'une semaine. Et le responsable m'a proposé de faire mon atelier hygiène et beauté 100% naturelle et minimaliste en relation avec le livre que je suis en train d'écrire à ce sujet. Et j'ai pu proposer des massages aussi aux jeûneurs. Donc j'ai fait 8 massages, je crois, en tout. Et voilà, massage du visage. Très relaxant, visage, crâne, cou, buste, épaules, bras, voilà. D'une vingtaine de minutes, donc c'était pas trop fatigant. En revanche, d'avoir aidé pour les jus m'a quand même pas mal fatiguée. Surtout, surtout parce que j'avais des douleurs. Donc, j'avais des douleurs et je sentais que j'avais très peu de capacité respiratoire. Donc mes poumons, en fait, je les sentais comme s'ils étaient minuscules. Et je respirais très haut en fait. Je respirais très haut dans la poitrine. Donc ça veut dire que j'inspirais beaucoup, j'expirais très peu. Donc c'est le genre de truc super, super frustrant. Et voilà, on n'est pas bien. Donc les douleurs que j'avais ont commencé un petit peu en début de semaine. Au départ, j'avais mal au dos. Et puis tout doucement, j'ai commencé à sentir une douleur au niveau de sous la côte gauche en fait. Donc sous la côte gauche, on a la rate, le pancréas et l'estomac un peu vers le milieu, côté gauche. Et sous la côte droite, on a le foie et la vésicule biliaire. Et bien sûr, des deux côtés, les poumons. Donc ce côté gauche, je sentais ma douleur plutôt vers le pancréas. Et avec cette douleur au dos, côté gauche aussi. Donc au départ, je me suis dit, bon ben voilà, c'est des signes de détoxification, hein, on patiente, et puis bon ben bien sûr, comme tout le monde, hein, faut pas m'en vouloir, je vais un soir sur internet, je tape douleur au pancréas et au dos, et là qu'est-ce que je vois? Plein de sites qui m'annoncent que j'ai un cancer du pancréas en phase terminale. Donc un peu la grosse panique, tout simplement parce que je venais de perdre mon oncle quelques semaines avant de cette maladie. Et qu'effectivement, ça a été décelé très tard, en 3 semaines il est parti. Donc bien sûr, j'ai projeté tout ça sur moi, sauf que moi je ne suis pas lui. Ça, je le sais bien, mais c'est un peu difficile, il faut se mettre à ma place. J'ai un petit peu beaucoup paniqué. Donc j'ai eu le gros flip de ma vie en fait. Et en plus, ça s'est passé le vendredi soir, donc le temps que je puisse appeler mon médecin, ben, tout le week-end à flipper, surtout quand on sent encore la douleur tout le temps, ben, le flip, il est là, quoi. On ne peut pas l'oublier. Voilà, donc le lundi. Donc ça, voilà, c'était vraiment, ça s'est passé vraiment en début de semaine, hein, cette douleur où j'ai commencé à flipper. Le lundi, j'appelle mon médecin qui me dit, bon, ça va aller, venez, je la consulte. Et je sais plus ce qu'elle m'a dit à ce moment-là. Bon, bref, on a conclu qu'on allait patienter un petit peu. Et elle m'a fait faire quand même des analyses médicales que j'ai faites le lendemain pour vérifier qu'il n'y a pas une grosse infection, inflammation, je sais plus. Du pancréas, du foie, etc. Bon. Il y avait effectivement une petite inflammation, il y avait le lipase qui était
à 75 au lieu de, je crois, 40 maximum, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais bon, rien de trop inquiétant. Elle m'a dit, a priori, ça devrait passer. On pensait en fait que c'était mes calculs biliaires qui étaient en train de passer, de s'évacuer en fait. Et c'était possible qu'il y en ait un gros qui soit coincé dans un canal. Et le canal qui est, je ne me rappelle plus du nom, colédoque, un truc comme ça, qui est à côté de la vésicule, vers l'entrée de la vésicule. Et bon, auquel cas, après, ça peut s'empirer, mais du coup, on attendait de voir si ça passait ou pas. Donc, ben, j'ai passé la semaine comme ça, avec ces douleurs, avec cette inquiétude, beaucoup d'inquiétude, avec ma respiration qui était de moins en moins bonne, avec beaucoup de fatigue. Je pense que c'était surtout l'inquiétude qui m'a vraiment fatiguée. C'était pas le jeûne en lui-même, parce que je me sentais bien, je voyais bien, ça allait, mais c'était cette inquiétude. Au final, fin de semaine, ben, ça va pas du tout, je commence vraiment à flipper. Je retourne chez mon médecin et là, elle m'envoie de suite, immédiatement faire un scanner. Donc j'ai eu la chance d'être prise de suite pour un rendez-vous pour un scanner, ce qui n'est pas commun. Et là, la journée de l'horreur. J'ai passé ma journée entière entre l'hôpital, faire des allers-retours pour mes analyses médicales, aller les faire, l'hôpital, aller chercher les analyses, repartir. Bref, une journée très difficile, d'autant plus que la veille, ma meilleure amie est venue me voir et puis on a discuté bien sûr jusqu'à 6h45 du matin, alors que je me levais à 7h45. Merci Karima. Mais c'était très intéressant. Bon, cela dit, voilà, je n'avais dormi qu'une heure et j'ai passé la journée dans les hôpitaux, pas en clinique. Et le scanner, alors là, c'était vraiment terrible parce que c'était hyper long. Déjà, elle me prenait entre deux, donc j'ai dû attendre assez longtemps dans la salle d'attente. Et surtout, une fois l'examen fait, alors en plus, scanner injecté, donc super. Pendant tout le scanner, je priais pour que ce produit ne m'intoxique pas le corps. Puisque voilà, on nous injecte un produit qui n'est pas très naturel et qu'il faut après évacuer. Et bon, quand on est en jeûne. Alors voilà, je précise aussi que dans le livre de la cure brosse, il est indiqué qu'on ne doit pas faire, normalement, on ne doit pas faire de échographie, scanner, IRM, etc. Et là, ben, en fait, je n'avais pas le choix. Donc j'ai dû les faire quand même et voilà, j'avais pas vraiment le choix. Donc je fais ce scanner. J'attends, puisque l'attente pour le résultat, c'était au moins une heure, au moins. Et je voyais d'autres personnes qui étaient arrivées après moi, qu'on appelait, donc j'ai commencé un peu à flipper. Je me suis dit, mince, là, elle a dû appeler mon médecin, elles doivent se demander comment ils vont m'annoncer la chose. Et là, ouais, j'étais vraiment en panique. C'était enfin, une minute, c'était 10 minutes pour moi, c'était super long. Bon, au final, elle m'appelle. Elle m'explique que mon pancréas va bien, que ma rate va bien, que mon estomac va bien, qu'a priori, ce serait mon côlon transverse qui serait un peu enflammé par rapport au jeûne et qui appuierait sur tous ces organes-là. Donc, ceci expliquerait cela. Mais que par contre, et là j'ai ouvert grand les yeux et les oreilles, que j'avais apparemment une anomalie au foie. Donc là elle m'annonce que j'ai une anomalie au foie. Donc bien sûr la première chose à laquelle je pense, c'est une tumeur au foie. Le foie, en général on part très 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 vite, une fois qu'une tumeur atteint le foie. Donc là ouais j'ai quand même flippé quelques secondes, quelques millièmes de secondes même, qui m'ont paru une éternité. Et puis elle m'explique que j'ai pas à m'inquiéter finalement, que c'est pas une tumeur, qu'elle est très surprise, elle comprend pas en fait. En fait, il y a 20 cm carrés de mon foie, ce qui est pas mal quand même, qui est innervé. Donc, qui n'est pas vascularisé. Et qui est donc tout plat. Voilà, un foie c'est en 3D, hein, c'est une boule, voilà. Et moi en fait là c'est tout plat, c'est comme si c'était un peu nécrosé. Donc, ben, point d'interrogation, j'en sais toujours pas plus. Elle m'a expliqué qu'elle ne voyait ça que lors de greffes
et que les greffes ne prenaient pas. Sinon, elle ne voyait pas du tout comment, sur un cas comme moi, ça pouvait s'expliquer. Donc, elle ne pense pas que ce soit le jeûne non plus. Donc, voilà, super. Ben là, je repars avec une super nouvelle. Elle veut absolument me faire une échographie l'après-midi. Donc, je dois y retourner l'après-midi pour faire l'échographie. Et entre-temps, je vais faire mes analyses médicales. Je retourne faire l'échographie. Et à l'échographie, ben, effectivement, ben, c'est avéré hein, qu'il y a ce souci au foie. Donc ben, toujours suspense. On ne sait pas plus. Mes calculs biliaires étaient toujours dans la vésicule. Alors moi, je pensais qu'avec le jeûne, ils allaient partir. Partir par les intestins. Voilà. Et finalement, elle m'a expliqué que la vésicule ne se vidait que lorsqu'on mangeait. Donc, elle ne pouvait pas se vider tant que je ne mangeais pas. Mais que par contre, le jour où j'allais sentir ce calcul-là qu'on voyait à l'échographie, qui était énorme vers la sortie de ma vésicule, j'allais vraiment le sentir et que j'irais bien, bien, bien sûrement à l'hôpital et qu'on me proposerait bien sûr de m'enlever ma vésicule. Alors, oui, mais bien sûr, allons-y. Videz-moi de tous les organes de mon corps, qu'il ne me reste plus que mes poings pour boxer et mes pieds pour marcher. Enfin bon, bref, voilà, donc il faudra que je trouve une solution pour les dissoudre avec des plantes, des tisanes, etc. Parce que là, ça ne me va pas du tout cette histoire. Bon, toujours est-il que ce n'était pas les calculs en fait. Hein. Donc ensuite, je vais chercher mes analyses qui révèlent effectivement que... Alors, magnifique nouvelle quand même. Qui révèle que des marqueurs qui étaient très très bas depuis des années, notamment l'hémoglobine, la ferritine et d'autres, je ne me rappelle plus lesquels, ont augmenté ou se sont stabilisés, se sont normalisés on va dire. Donc ça j'étais vraiment super contente. C'était quand même une preuve que le jeûne apporte au corps la possibilité de revenir à un état d'équilibre, ça c'est magnifique, l'homéostasie. Et par contre, très mauvaise nouvelle, mes anticorps antithyroïdiens qui étaient hauts, et c'est la raison pour laquelle on m'avait fait une deuxième irathérapie et qu'on s'inquiétait pour ce cancer qui revenait, ben, ce marqueur qui était à 159 à la dernière analyse avant la cure, alors qu'on doit être en dessous de 4, est monté à 181. Donc ben là en fait je me suis effondrée. Ça a été très difficile parce que d'un coup ben, en une journée en fait déjà avec la fatigue j'avais dormi qu'une heure et j'apprends que j'ai un souci au niveau du foie, que mes calculs ne se sont pas évacués, que mon intestin ben, il va pas bien, il est enflammé. Et je suis épuisée et c'est voilà, c'est vraiment difficile. Et je commence à me poser ce soir-là plein de questions, à me demander est-ce que je crois à cette cure, est-ce que j'y crois plus, à quoi je dois croire, est-ce que je dois continuer, est-ce que je ne dois pas continuer, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je ne vais pas m'en sortir. Bon, 10 milliards de questions, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, il fallait que je dorme. Et que j'essaie de penser à autre chose. Donc j'ai dormi le lendemain jusqu'à 1h d'après-midi, ce qui n'est pas du tout mon genre. Mais ouais, j'étais vraiment épuisée, et physiquement et moralement. Du coup, le lendemain, je suis allée à une formation de Qin et Tsang. C'est un massage chinois, taoïste du ventre, qui est extraordinaire. Je l'ai surtout reçu. J'en avais besoin. Bon, j'avais une grosse barrière au niveau du ventre qui était encore très enflammé, dur, c'était un peu compliqué. Mais ça m'a fait quand même beaucoup de bien. Et puis le soir même, j'ai réfléchi, et puis mon médecin m'a rappelé pour me dire qu'elle avait eu les analyses, qu'elle les avait un peu regardées. Et qu'on allait me proposer de me faire un IRM pour ce fameux foie. Et que par rapport à mes anticorps, ben, elle allait devoir rappeler mon endocrinologue qui m'a un peu tourné le dos. Et qu'il fallait vraiment qu'on rediscute et qu'on allait prendre sûrement une décision par rapport à cette cure. Donc je voyais très bien où elle voulait en venir.
Et là, ben, ça a tourné dans ma tête. Sonia, qu'est-ce que tu fais? Sonia, qu'est-ce que tu fais? Sonia, qu'est-ce que tu fais? Tu étais motivée, mais cette cure, j'y crois, j'y croyais, j'y crois encore, hein. Dur comme fer. J'étais motivée pour aller jusqu'au bout. J'avais tout investi en temps, en argent, en sacrifice pour aller jusqu'au bout de cette cure. Mais là, je sentais mon corps épuisé. Je sentais que j'arrivais même plus à respirer. Et puis je voyais tous ces résultats. Et ouais, ça a été dur. Et du coup, j'ai pris la décision de reprendre tout doucement l'alimentation dès le lendemain. Mais de reprendre essentiellement en fait des jus et des veloutés de légumes. Donc essentiellement on va dire des fruits et des légumes, mais en plutôt liquide, purée quoi. Voilà, sur 2-3 semaines encore. Histoire de continuer un peu cette cure, mais autrement. La décision a été difficile à prendre. Comme le jour où j'ai voulu faire cette cure, la décision était très dure à prendre. Ben là, elle était tout aussi dure. Mais avec réflexion, je suis contente aussi de m'être écoutée et d'avoir écouté mon corps. Parce que là, je pense que j'arrivais un petit peu au bout de mes capacités adaptatives. Alors, bien évidemment, quand on se lance dans un long jeûne, il ne faut pas s'y lancer comme ça, saute comme. On ne va pas sauter dans le grand bassin, on va d'abord descendre des petites marches. Donc, il est quand même souvent conseillé de faire des petits jeûnes avant. Moi, ben, ça fait 20 ans que je jeûne une fois par an pendant la période du Ramadan. Donc, ben, la journée et je mange le soir. Donc, ce n'est pas le même type de jeûne. C'est un jeûne, c'est très bien. C'est un jeûne sec, un jeûne intermittent, qui est très très bien pour la santé, mais ce n'est pas le même type de jeûne. C'est pas vraiment le même processus, on rentre pas en acétose. Et sinon, j'ai jeûné dernièrement avec ma mère, on a fait un jeûne hydrique de 3 jours. Ça fait du bien aussi. Mais tout ça, c'était peut-être pas suffisant. Peut-être que j'avais déjà de la fatigue et peut-être que mon corps avait beaucoup de travail à faire. Il y avait beaucoup de choses de ces 38 dernières années qui s'étaient cumulées. Donc, le boulot étant. Je pense que c'était un gros chantier. Et ben mon corps a fait ce qu'il a pu, mais on est arrivé un petit peu au bout des capacités. Et en même temps, je me dis que 21 jours, ben c'est un. Voilà, un grand repos. Donc je ne culpabilise pas. Je me dis que c'est déjà très très bien ce que j'ai fait là. Je suis fière de moi. Et que si j'avais continué, peut-être que je serais allée dans quelque chose de grave, peut-être que je serais peut-être tombée dans les pommes en conduisant, je sais pas, ou mon corps aurait eu des symptômes de détoxification qui auraient été vraiment très contraignants. Donc voilà, j'essaie de relativiser. C'est quand même un petit peu dur parce que j'aime bien faire les choses correctement. Mais bon, vraiment, je relativise et je suis très fière de moi. Et 21 jours, c'est déjà très très bien. Et puis, aujourd'hui, je suis partie faire le contrôle de l'échographie cervicale pour vérifier en fait ces ganglions qui n'étaient pas très jojo. Et magnifique surprise, donc très très contente. Eh bien, le monsieur m'a annoncé que j'avais des petits ganglions tout à fait normaux. Il y en a un qui est un peu plus gros, mais qui n'a pas du tout d'aspect tumoral. Aucun n'a d'aspect tumoral. Donc, cette cure, je pense, m'a fait un grand, grand bien. A rétabli des choses, a mangé des mauvaises choses, j'en suis sûre. Mon corps a mangé des mauvaises choses. Donc, je suis après la tempête, vient le beau temps avec beaucoup de bonheur. Et de plénitude. Je suis vraiment très contente. J'attends, bon, il y a quand même toujours en suspens ces anticorps antithyroïdiens qui sont très élevés. Alors, cela dit, j'ai discuté avec deux personnes qui s'y connaissent très très bien en jeûne
et qui m'ont dit qu'il ne fallait jamais faire d'analyse pendant un jeûne, puisque pendant le jeûne, on était dans un gros état inflammatoire qui est dû à la détoxification. Donc peut-être que ces analyses, avec ce chiffre ce marqueur qui a grimpé, ben, peut-être qu'il va redescendre, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, on fera des analyses un peu plus tard. Mais il y a encore, on va dire, ce suspense-là et le suspense de ce foie qui est venu pointer son nez là en plein milieu. J'étais en train de régler quelque chose et lui, il arrive. Bon, cela dit, le foie, c'est un organe qui se régénère très très bien, qui peut se régénérer très très vite. Donc je reste très optimiste. Et puis il n'y a pas d'aspect tumoral ni rien, donc c'est bien. Voilà, voilà. Donc désormais, je peux remanger des veloutés de légumes. Alors mon premier velouté, mais ça a été, mais ça a été, je peux même pas l'expliquer. C'était exquis. Je l'ai goûté, mais millimètre carré par millimètre carré. De retrouver d'autres saveurs que ce jus brosse burk burk. J'ai pu me faire aussi d'autres jus à l'extracteur. Et voilà, retrouver des goûts et des saveurs que j'avais oubliées. Bon, j'ai hâte de manger des crêpes et de la crème de marron et quelques pizzas sans gluten. Et de me faire des lasagnes aussi. Et puis partir au resto chinois et au libanais. Mais bon, on va prendre du temps pour tout ça. J'ai le temps. Et voilà, en tout cas, voilà, je suis très contente de m'être offerte une nouvelle petite santé, en espérant que ce soit le cas. Donc j'attends encore quand même d'autres résultats, d'autres analyses. Et voilà, et quoi qu'il arrive, que tu aies un problème de santé ou pas, ben je t'invite à jeûner déjà quelques jours. J'ai pu voir avec tous les jeûneurs que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré plein plein, des gens merveilleux avec qui je suis restée en contact. C'était vraiment super. Et ben en fait, j'ai pu voir qu'il y en a plusieurs qui venaient parce que ben, ils avaient commencé ça il y a 7-8 ans et ils revenaient chaque année. Parce que chaque année, ils ont l'impression de perdre des années. Donc, ils rajeunissent. Ils perdent des symptômes de, par exemple, tout ce qui est douleur articulaire. Même plein, plein, plein de problèmes. Le jeûne résout plein de choses. Donc, je ne parle pas forcément de la cure brosse de 42 jours avec ce jus-là. Je parle d'un jeûne sec qui est l'équivalent de son double de temps en jeûne hydrique, c'est-à-dire que 3 jours de jeûne sec équivaut à 6 jours de jeûne à l'eau. Voilà. Donc voilà, il faut y penser, ne serait-ce qu'au départ, jeûner une fois par semaine, plutôt le lundi, parce qu'en général, les week-ends, on est invité, on se lâche un peu. Donc on arrête de manger le dimanche soir. On dort et on ne mange pas jusqu'au lundi soir. Ça fait un petit jeûne intermittent intéressant. S'il est fait toutes les semaines, ça va décrasser un petit peu des choses de la semaine. Faire de temps en temps des monodiètes. Donc une monodiète ou de fruits ou de quinoa par exemple. Il y en a qui font de riz, mais je préconise pas trop parce que le riz apporte pas mal de colle au corps. Voilà, c'est plutôt à éviter, mais. Le quinoa qui n'est pas vraiment considéré comme une céréale par exemple, mais à toutes les sauces, hein. Un coup avec un peu de cannelle et une petite goutte de miel par exemple, et un coup plutôt salé, voilà, avec des herbes, des épices, voilà, un peu de monodiète de temps en temps, de 2-3 jours, ça fait beaucoup de bien. Ça repose aussi l'organisme, la digestion, les intestins, etc. Et puis voilà, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, un jeûne hydrique ou un jeûne sec. Le jeûne sec est quand même plus compétent, on va dire. Mais après, ça dépend de vos capacités, ça dépend voilà, ça dépend de chacun. Il faut tester, il faut voir ce qui nous convient et voilà. Voilà, et eh bien je te dis à la prochaine. Peut-être que je referai une autre vidéo là dans pas longtemps. Je suis lancée maintenant, donc voilà. On parlera, on papotera de santé, d'alimentation, de plein de choses. Why not? C'est une bonne idée. Allez, je te dis à très vite. Ciao, ciao.